À nous le camp de la plage noire. Invitation refusée. Oh. On apprend tous ensemble. Alors, Draculaura, comment va mon frère? Je n'en sais rien. Ah, vraiment? Tu n'en sais rien? Non. Les filles, on a un problème. Le casier de Cléo était grand ouvert quand je suis arrivée. C'est bizarre. Ce n'est pas ça le plus étrange. Regardez. Oh. Elle a laissé son rouge à lèvres dans son casier. Mais elle serait sortie de son sarcophage sans rouge à lèvres. Il faut qu'on la trouve. Elle doit être à la salle de gym ou en train de boire un smoothie. J'ai une idée d'où elle peut être. Non, d'un crâne, c'est encore pire que ce que je pensais. Jamais je n'aurais cru voir Cléo en train de faire ça. Pleurer? Non, nettoyer. Qu'est-ce qui ne va pas, Cléo? C'est toi qui ne va pas, maillon faible. Et c'est valable aussi pour vous toutes. Nous? À cause de vous, je n'irai pas au camp des pom-pom monstres de la plage noire. Quoi? On a échoué? Vous m'avez déçue. Elle a raison. Reconnaissons-la, aucune de nous n'a fait de son mieux à part Frankie. On est désolée, Cléo. On t'a laissé tomber. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est terminé. Non, on peut encore y arriver. De quoi tu parles? Tous les ans, la plage noire sélectionne une équipe non qualifiée en plus des autres équipes. Comment ça? Les équipes qui arrivent à obtenir 1 million de clics pour leurs vidéos sur FrouzTube sont automatiquement invitées. Et comment tu sais ça, toi? Je sais certaines choses. C'est sur leur site Enfernet. Mais alors, il nous reste une chance. Goulia peut nous filmer en train d'exécuter des figures, des acrobaties et des super pyramides. C'est vrai que ça pourrait être une idée géniale, mais vous semblez oublier deux choses. Lesquelles? Petit 1, nous n'avons que 2 jours pour obtenir 1 million de clics, ce qui est bien trop court. Et petit 2, on est nuls. Moi, je n'abandonnerai pas. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Il va vous falloir du courage et du dévouement. Oui. Ce ne sera pas facile tous les jours. On s'en doute. Préparez-vous à m'entendre crier encore plus que d'habitude. Rien d'étonnant. Pom-pom monstre! Bon, ça y est, vous êtes prêtes, les ghouls? Bien, c'est parti. 1, 2, 3, 4, on ne va pas se laisser abattre. Pom-pom monstre, pom-pom monstre. Oui, pom-pom monstre. Plus que 999 999 clics. Dépêche-toi, je veux voir combien de fois notre vidéo a été vue. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil de la nuit tellement j'étais excitée. Seulement 1 million de clics et on participera au camp de la plage noire. Je parie que vous avez déjà plus de 150 000 clics. Seulement 6 personnes ont vu notre vidéo. C'est impossible, nous sommes 6. En comptant le clic d'hier, ça fait 7. Je ne l'ai pas encore regardé. Hein? Quoi? J'avais des choses à faire. Les pores de mon visage ne se referment pas tout seul, vous savez. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Oh, je suis désolée pour vous. Les ghouls, on ne va pas abandonner maintenant. D'après le site Enfernet, on a jusqu'à 15 heures. On n'a aucune chance. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous m'avez soutenue quand je croyais que nous n'avions plus aucune chance. Désormais, en tant que leader adoré et d'une beauté suprême, je vais faire la même chose pour vous. Pas maintenant, Goulia. Je suis inspirée. En cours de nécronomie, on nous a parlé du marketing et de comment faire en sorte que quelque chose marche bien. Il y a des solutions pour que notre vidéo fasse le tour de la toile. Faites-moi confiance. Chers élèves de Monster High, votre équipe de pom-pom monstres a besoin de vous. Regardez notre vidéo! Parlez-en à vos amis! Ça n'a pas vraiment marché. Plus tard, Goulia. Frankie, à toi de jouer. Compris! Ça ne fait que 15 visionnages de plus. À cette allure-là, on aura 1 million de clics dans 1 million d'années. Oh non, on sera trop vieille pour aller à la plage noire, du coup. Rien ne fonctionne. Qu'est-ce qu'on va faire, Cléo? Le temps presse. Je réfléchis. Oh, je sais. J'ai trouvé. On va attendre la prochaine pleine lune. Et là, je vais tout simplement... Non. Comment faire pour qu'un maximum de gens voient la vidéo? Nom d'un crâne, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, tu peux mettre notre vidéo sur la page principale de FrouzTube.
Sérieux? À chaque fois que quelqu'un cliquera sur notre vidéo, il y aura la possibilité de l'envoyer à tous les gens de son répertoire. Mais c'est monstrueux, ça! Génial! Mais franchement, Goulia, tu aurais pu nous en parler avant. Goulia, regarde, ça marche! Oh, je n'y crois pas! On va y arriver! On y est presque, regardez! Ça s'est arrêté. Non, 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 non! Ça ne peut pas arriver maintenant! Goulia, fais quelque chose! Je vois rien du tout, qu'est-ce qui se passe? Si elles arrivent à obtenir 1 million de clics sur Frostube, elles pourront participer au concours de pom-pom monstres de la plage noire. Elles y sont presque, mais elles n'ont que jusqu'à 15 h. Ah, je croyais qu'il se passait quelque chose d'intéressant. Pourquoi ça ne marche pas? C'est une tragédie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quoi? Asseyez-vous devant, on voit rien. Bon, j'en reviens. Apparemment, le site a fermé. Quoi? On ne peut plus voir notre vidéo? Il ne reste qu'une minute. Alléluia, 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 alléluia. Oh non, il est 15 h. On a échoué. On y était presque, je n'arrive pas à le croire. Attention, je passe, pardon. J'ai raté quoi? Les filles, je veux que vous sachiez à quel point je suis royalement fière de vous. Tu vas me faire pleurer. Je suis sérieuse. C'était super la façon dont vous vous êtes toutes unies pour y arriver. Oui, vous avez plus de cœur que la plupart des ghouls que je connais. Et pour moi, c'est exactement ça que notre équipe représente. Je pleure pas, je transpire. Cléo, regarde! Ça fait la une de tous les sites d'info. Frostube a buggé à cause d'un excès de gens en train de regarder une même vidéo, ta vidéo. Tu rigoles! Je savais que vous y arriveriez! Oh! Nous avons eu 10 millions de clics! C'est un record pour le site internet de Frostube! Qu'est-ce que ça veut dire? On a réussi! Non, je ne peux pas! Qu'est-ce que ça dit? Très chère équipe de Monster High, vous êtes invitée à participer au camp de pom-pom monstres de la plage noire! Félicitations à l'équipe de pom-pom monstres de Monster High qui vient juste d'être invitée à participer au camp de la plage noire. Continuez comme ça! Tout le monde a l'air content! Génial! Je n'arrive pas à le croire! Il va falloir que je commence à faire mes valises! Combien de maillots de bain vous emportez? 40 paires de chaussures, vous croyez que ça suffira? Toutes mes félicitations, les filles! Je suis contente pour vous! Oh, c'est très gentil à toi! On est carrément euphorique! Oh, si seulement tu pouvais venir avec nous! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je passe les vacances de printemps à la plage noire tous les ans. D'après mon père, ils ont le meilleur camping sous-marin du côté de la barrière de corail. C'est génial, Laguna! On sera tout ensemble alors! On va s'amuser comme des monstres! En place! À trois, tout le monde! 1, 2, 3! Vive la plage noire! Serviette de plage? Fait, chaussettes? 9 paires de ballerines, 8 paires de sandales. C'est tout? Pour aujourd'hui, oui. Bien, à la fois chic et pratique. Allez, les ghouls, on se réveille! Le bus de la plage noire est arrivé. Vous n'avez pas hâte d'y être, vous? Moi, ça botte! Des bottes? Je savais bien que j'oubliais quelque chose. J'espère que vous avez gardé un peu de place pour vos uniformes de pom-pom monstres. Tu fais une fixation, Cléo. La plage noire, ce n'est pas que les pom-pom monstres, tu sais. Oui, la plage noire est carrément trop bien. Le grand lac, les jeux et tous nos amis vont... C'est dommage, car nous allons passer tout notre temps à la plage sud, à l'académie de pom-pom monstres. Tout notre temps? Tous les ans, la prestigieuse académie de pom-pom monstres de la plage noire remet le bâton d'esprit à l'équipe qui remporte le concours. Et tous les ans, l'équipe qui gagne le bâton remporte aussi la finale à la... fête des monstres. Coïncidence? Ça m'étonnerait. Nous devons absolument gagner le bâton d'esprit cette année. Apparemment, Monster High gagnait ce bâton tous les ans. Enfin, du temps où les équipes étaient... bonnes. Salut les filles. Je suis trop contente de passer les vacances à la plage noire. J'ai hâte de plonger dans l'eau. Tu vas enfin retrouver ton élément? Non, moi je viens de l'océan. Gilles est une créature d'eau douce. C'est lui qui sera dans son élément. Je vous chante en morceaux. La 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 la. Oh, je vais d'abord m'échauffer, hein. Bah, oh. Cette journée pourrait être encore meilleure.
Bro Dwarf, c'est super. Mais qu'est-ce que ce serait si j'en avais deux, ou trois, quatre, cinq? Oh, j'adore la plage noire. Bois, c'est mon rêve après tout. Franky, je me suis tordu la cheville. Il va falloir que tu diriges l'équipe à ma place. Tu veux bien? Moi? Tu y arriveras. Nous te faisons entièrement confiance. Toute l'équipe compte sur toi. Capitaine. Vite, il s'étouffe. Il lui faut de l'eau. Maintenant que j'ai le bâton d'esprit, plus rien ne peut m'arrêter. Réveille-toi, on est arrivé. Mesdemoiselles, bienvenue à la plage noire. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Ça rafraîchit. Je pourrais vivre ici toute l'année. Enfin, j'obtiens la reconnaissance due à mon rang et tout le respect que je mérite, Monsieur Tranchant. Portez donc nos affaires dans l'entrée. Votre chalet se trouve un peu plus loin. C'est le chalet réservé aux non-qualifiés. Allez, ce n'est pas si... Terrible, quelle horreur. Oui, tu as raison. Ce n'est pas ce qu'on appelle un 4 effroils. Pourquoi on est là alors que toutes les autres sont dans des bungalows luxueux? Scary Murphy est une légende chez les pom-pom monstres. Si elle a choisi de nous loger ici, il y a une raison. Et laquelle, d'après toi? Scary Murphy! C'est vous, l'équipe non qualifiée! Pas très impressionnante, ma foi! Nous étions en train de... Silence! Ça ne suffira pas! Votre posture est affligeante! Votre attitude est terrible! Vous avez intérêt à vous entraîner! Bougez-vous! En tant qu'équipe non qualifiée, vous allez devoir faire vos preuves. On commence par les pyramides à quatre étages ou les figures difficiles? J'avais pensé à quelque chose de totalement différent. Et dire qu'on doit préparer le déjeuner pour toutes les autres équipes? Je suis sûre que Scary Murphy sait ce qu'elle fait. Et maintenant, on doit tondre la pelouse. Cette Murphy commence à me taper sur les nerfs. Scary Murphy est très réputée dans le monde des pom-pom monstres. Donc si elle veut qu'on tonde la pelouse, on répond: vous la voulez courte ou très courte? Voilà ce dont j'avais besoin. Oui, je suis bien d'accord. Rien à faire à part rester assise et rêvasser. Quand je pense qu'on a perdu une journée entière à effectuer ces tâches ingrates pour Scary Murphy... Qu'est-ce que ces corvées ont à voir avec les pom-pom monstres? Je n'en ai pas la moindre idée, les filles, mais je fais confiance à Scary Murphy. Oui! Oh, pas mal! Enfin, pour une fille qui vient de la mer. Merci. Toi aussi, tu te défends pour une créature d'eau douce. J'ai dit aux filles que je pensais que Scary Murphy avait un plan. Mais je n'en suis plus si sûre maintenant. Yeah. Oh, Toralei, qu'est-ce que tu fais ici? La plage noire, c'est l'endroit le plus cool pour passer les vacances de printemps. Tous les chats cool viennent ici. La plage sud est réservée aux équipes de pom-pom monstres, pas aux dégonflés comme vous. Oh, ne va pas t'affoler, bandelette. Cléo, on est juste venu te féliciter pour avoir réussi à être sélectionnée pour participer à ce camp. Merci. Et c'est pour cette raison qu'on veut bien revenir dans l'équipe. Quoi? Maintenant que ton équipe est opérationnelle, on a décidé qu'on voulait revenir. Je sais à quel point tu veux gagner le bâton d'esprit, hein? Tu auras plus de chance avec nous. Tu as raison, Toralei. Je vais vraiment avoir besoin de vous. Je vous l'avais dit. Miaou! Vous aurez le droit d'astiquer le bâton que j'aurai gagné. Quoi? Je ne vous reprendrai pas dans l'équipe, même si vous étiez les derniers chats sur Terre. Si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner auprès de mon équipe. En disant ça, tu viens de te faire de dangereux ennemis. Petit conseil, tu ferais bien de surveiller tes arrières. Coucou maman, coucou papa. Je m'amuse comme un monstre à la plage noire. Il faut dire qu'on a travaillé dur. Si je continue, mon bras va finir par se détacher de mon corps. Moi, c'est déjà fait. Scary Murphy se moque de nous. Aucune autre équipe ne fait de corvée. Oh non! Ce sont les filles de l'Académie de Vampires d'Outre-Tombe. En plus, elles se croient douées. Tout ça parce qu'elles sont grandes. Ou parce qu'elles gagnent la finale depuis 4 ans. Ce sont nos principales adversaires. Elles aussi, elles touillent la soupe pendant des heures. Relax, les filles. Goulia et moi, on a travaillé sur une chorégraphie trop top. Y a intérêt parce que ces snobs d'Outre-Tombe feront n'importe quoi pour gagner. N'importe quoi. Mais on n'a pas fait que travailler.
On a aussi réussi à trouver un peu de temps pour se reposer à la plage pendant que Cléo et Goulia mettaient au point notre chorégraphie. Gilles, tu veux mettre la pâté à des dragons au monstre polo? Non, désolé. Allez, juste une partie. On forme une si bonne équipe. Non, là tout de suite, je ne peux pas. Eh bien, quand? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de parler de ça. Allez, voyons. Tu peux tout me dire à moi. Eh bien, non, ça je ne peux pas. Je ne veux pas te faire de peine. La plage, c'était très sympa, mais nous avions aussi du travail. Grâce à la créativité de Cléo et les dons de Goulia pour la physique, elles nous ont concocté la meilleure chorégraphie du monde. Waouh, ça a l'air dur. Oui, cette chorégraphie a été scientifiquement étudiée pour gagner. Il ne nous reste plus qu'à l'apprendre. Salut les monstres. Comment ça va? Qu'est-ce que vous voulez? On voulait juste vous souhaiter bonne chance avant le début du concours. Mais encore. C'est votre chorégraphie là-dessous? Oui, elle est trop bien. Dehors les traîtresses, il y a des gens qui travaillent ici. Où en étions-nous? J'ai une idée, je vais te filmer avec mon item pour que mes parents puissent voir. On débutera par une double roue croisée, puis rondade et triple flip, boucle piquée. Tout se passait très bien. Salut, c'est Frankie, votre fille. Bon, je dois dire que j'ai totalement confiance en notre chorégraphie. Je suis sûre qu'on va renvoyer les filles de l'académie d'Outre-Tombe au cimetière. Oh, attendez une seconde. Salut, Frankie. Je voulais juste te dire que même si je ne fais plus partie de l'équipe, j'espère de tout cœur que vous gagnerez. C'est très gentil à toi. Je faisais une vidéo pour mes parents. Je voulais l'envoyer par mail, mais il n'y a pas de wifi ici. Oh, je peux l'envoyer pour toi, si tu veux. Prête-moi juste ta clé USB. Merci, trop sympa. Bon, alors à bientôt. Souhaitez-moi bonne chance. Vous voulez revoir la vidéo de Monster High encore une fois? Oui, bien sûr, c'est bien ce que je pensais. Au fait, de rien. Recommencez encore une fois, du début. On est vraiment trop parfaites. Seules les trois meilleures équipes pourront participer au camp des pom-pom monstres de la plage noire pendant les vacances de printemps. Et ensuite, ce sera la finale, la grande fête des monstres. Rien ne... Frankie, je t'ai trouvé un nouveau surnom. Le maillon faible. Oh, mais c'est parce que j'ai lancé ma jambe avant de sauter, alors que j'aurais dû sauter en premier. Stop! Si tu veux être dispensé d'entraînement de pom-pom monstres, il va falloir commencer à te mettre sérieusement au travail. Goulia, va me chercher quelque chose à boire. Continuez l'entraînement. Prends plutôt celui-ci. Ça me donne le teint bleu. Normal, tu as la peau bleue. Alors, Frankie, ça va l'entraînement? Oui, génial. Mais bien sûr. Je parie que Cléo n'est ni exigeante, ni... Dominatrice. Agressive. Arrogante. Odieuse. Elle veut juste que l'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est bien d'avoir des buts dans la vie. Tu sais, Dralo... C'est Draculaura. Ton épaule est en feu. Tu fais comme si tu n'en avais rien à flamme de moi. Et pourtant, j'ai entendu... que tu voulais m'accompagner au bal de soutien à l'équipe. Ah, pourquoi tu m'as pincé, hein? Parce que tu rêves si tu crois que je vais t'accompagner. Allons-nous-en avant qu'elle ne te jette un sort. Nom d'un gnome, Thomas est agaçant. Je commence presque à l'apprécier. Burke, c'est moi qu'il faut pincer, je rêve. Les filles, c'était catastrophique. Oh, tu veux rire ou quoi? Cette chorégraphie était sensationnelle. Sensationnelle, ça ne suffit pas. Ça doit être plus que parfait si vous voulez aller à la plage noire. Tu as raison. Comme d'habitude, on voudrait te montrer une nouvelle chorégraphie qu'on a inventée. Je veux un O, je veux un N, je veux un P, A, R, T. On part de l'équipe, on part de l'équipe, on va! Qu'est-ce que vous racontez? C'est nul, cette blague. Oh, ce n'est pas une blague du tout. C'est terminé, Cléo. Tu ne nous commanderas plus. On préfère jouer dans la nouvelle pièce de l'école, West Side Souris. Ce que font les chats cool, et nous, on est trop cool. Bonne chance pour la grande fête des monstres. Pourquoi tu ne pars pas? Je suis nouvelle et personne ne me prend au sérieux, à part toi. Et moi, je prends les pom-pom monstres très au sérieux. Alors, je décide de rester. Oh, tu en as mis du temps, Goulia. Et vu que je suis la seule à rester, tu vas pouvoir me mettre officiellement dans l'équipe, non? D'accord, tu peux faire partie de l'équipe. Promotion annulée. Goulia, commence à faire les affiches. Il faut absolument recruter de la chair fraîche. Les auditions auront lieu demain matin.
les ghouls de l'école vont mourir d'envie de faire partie de mon équipe, il faut qu'on ait assez de dossiers de candidature. 3000, ça devrait suffire. Tu as noté, Goulia? Oh! Et surtout que personne ne me regarde dans les yeux, sauf si c'est un regard d'émerveillement. Bien, préparez-vous à obéir à mes volontés. Ah, que... Pourquoi il n'y a personne? J'ai peut-être été trop dure avec elle. Je croyais qu'elle voulait une dirigeante forte et intransigeante. Je crois que j'ai eu tort. La prochaine fois, ce sera différent. Si jamais il y a une prochaine fois. Oh, Goulia, alerte idée. Je vais me charger de recruter des filles pour l'équipe des pom-pom monstres de Cléo. Je sais, oui. Tout le monde pense que Cléo est une perfectionniste. Mais ça, c'est l'ancienne Cléo. Tu l'as vue? Elle a changé. Oh, cette équipe, c'est mon héritage. C'est toute ma vie. Rejoignez l'équipe des pom-pom monstres. Toutes les places sont ouvertes. Ah oui. Hé, hey, Laguna. Je suis déjà dans l'équipe de natation. Je suis capitaine. J'ai hâte de vous entendre m'encourager. Alors ça y est, tu veux venir au balai avec moi? Non. Et là? Non. Et là? Non. Et là? Non. Et là? Oui. D'accord, si tu veux. Ouais, trop cool! Tu viens de dire oui à Thomas Cramé? Il m'a eu à l'usure, je n'en suis pas fière. Avec qui tu voudrais y aller? Je n'en sais rien, avec quelqu'un de spécial. Quelqu'un de gentil. De sportif. Quelqu'un comme... Salut, ça va? Salut, Claude. Quelqu'un comme... Claude! Claude Wolf? Non, ça va pas, c'est le frère de Claudine. Et alors? Je le connaissais déjà à l'époque où il ne savait pas donner la papate. Mais tu l'aimes bien, non? Je ne le déteste pas, mais il se passe plein de choses en ce moment. Claude et moi, on est amis, il m'a toujours vue comme telle. Pas si tu deviens pom-pom monstre. Tu crois? C'est sûr, ce sera différent si tu fais partie de l'équipe. D'accord, mais Cléo... a changé. Bon alors, je veux bien. Aidez Cléo, désolé Frankie, certainement Pat. Bon, il n'y aura que Draculaura, Cléo et moi dans ce cas. Vous aurez l'air ridicule. Waouh, on dirait que ma vie sociale va finir avant même d'avoir commencé. Attends, on peut dire ce qu'on veut sur les loups, mais ils sont loyaux. Claudine, je t'adore. Cléo a changé, c'est ça? Je savais que je reconstruirais une équipe. Et il y en a qui pensaient que j'allais changer. Quoi? Chaque chose en son temps. Entraînement tous les jours, la nuit, le week-end, 8 jours par semaine. Tu leur as dit? Eh bien, en fait, je n'ai pas on eu... On commence à 6 heures. Demain matin. Reprenez encore une fois, du début. Vous savez que vous êtes la honte des pom-pom monstres en guise d'entraînement. Vous encouragez Monster High à tous les événements inter-écoles jusqu'au jour du match. Vous n'êtes pas digne de vous entraîner devant moi. Faites-le devant eux. Avec un petit coup de batte, ce sera échec et mat. Dépêche-toi, faut pas que tu traînes ou tu vas te faire prendre ta reine. Cette question pour le moins complexe et critique est vraiment au cœur du monde post-mortem. C'est au tour de Monster High. Tes arguments sont ridicules, ton analyse est nulle. Il vous reste 7 secondes. Les orateurs de Monster High ont la formule. Go, 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 passe le ballon dans l'anneau. Il paraît que les juges de la plage noire seront là ce soir. Ah, quelqu'un essaie d'attirer ton attention. Thomas Cramé, ignore-le. Oh, si seulement Claude tourne la tête par ici. Alerte idée, on va exécuter une monstrueuse pyramide et tu te mettras au sommet. Il te remarquera forcément. Je ne crois pas que vous soyez prête. Oh! Hé! Wouhou! Boudin noir au sang frais. Profitez-en tant qu'il va encore. Oh, du sang frais. C'était trop génial! Franchement, t'aurais vu ta tête! Boum! Trop la honte! Je crois que certains élèves ont déjà posté la vidéo sur FrosTube. Comment j'ai pu accepter qu'un idiot comme toi m'accompagne au bal? T'as encore le choix. Oh.
Viens avec moi. J'ai dit à Thomas que j'irai avec lui. Dis, Cramé, je peux aller au bal avec elle? Oui, bien sûr, Claude. Tu vois, moi ça m'est égal. Bon, je passe te prendre à 6 heures. Oh, d'accord. Alors, j'ai bien entendu, tu vas au bal avec mon frère? Est-ce que ça va, capitaine? Oui, tout va bien, voyons. Je suis embarrassée et humiliée. Ma réputation de capitaine est à jamais salie. Je ne vois pas comment les choses pourraient être pires. On vous rappellera, signé Scary Murphy de la plage noire. Ouais. Tu veux le ballon, c'est ça? Eh bien, viens le chercher, Cloud. Ah, tu m'as pas vu venir. Salut, sœurette. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? T'as des puces? Ne fais pas l'innocent. Pourquoi tu emmènes Draculaura au bal? Thomas l'embêtait, alors... D'accord, Claude. Assis, pas bouger. Petit cours d'obéissance. Disons que mes amis sont de ce côté et ma famille de ce côté-là, à l'opposé. J'aime que ce soit comme ça. Alors reste de ton côté. Compris? C'est une de mes meilleures amies. Alors, si tu fais quoi que ce soit, et que tu lui fais du mal, je te promets de faire de ta vie un enfer. Tu as pigé. Wow, calme-toi, d'accord? C'est vrai qu'elle est cool, mais je connais Draculaura depuis que je suis tout louveteau. On est juste amis, rien de plus, promis. Quand de pom-pom monstres de la plage noire, on vous rappellera. C'est le grand jour aujourd'hui, Cléo. Le grand jour? Pourquoi? Comment tu le sais? Non, je suis juste super excitée de faire notre chorégraphie. Ah oui, la chorégraphie, bien sûr, ouais. Je sais qu'on n'a pas été au top ces derniers temps, mais je te promets que ce soir, on va tout donner. Tu verras. Tu ne mets pas ton uniforme? Si, bien sûr, j'allais justement me changer. Bien dit, Cléo, quand on est une pom-pom monstre, chanter, ça nous rend ma boule. Draculaura, pourquoi tu n'es pas encore en uniforme? Je t'ai demandé pourquoi tu n'étais pas encore en uniforme. C'est ce soir qu'on fait notre chorégraphie. Tu n'es pas surexcité? Si, bien sûr. Oui, c'est ce soir, le grand soir. Ah oui, ça tu l'as dit. Et j'ai dit à Cléo qu'on allait tout donner. Allez, va te changer. Va te changer. Je peux te poser une question de goule à goule. Pourquoi est-ce que tu vas au bal avec mon frère? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Oh, rien. Ça n'a rien de bizarre, si? J'espère que non. En tout cas, je ne voulais pas... Ça n'est pas bizarre, tant que vous y allez en tant qu'amis. Hein? Oh, mais oui, c'est clair. On est juste amis. Copains. Hé, t'as un nouveau collier? Il est cool. Rien que des amis. Oh, ça fait trop d'histoires. Je ne vais pas pouvoir faire semblant plus longtemps. Ce soir, je dirai à Claude ce que je ressens. Tu n'es pas censé te préparer pour le spectacle? À quoi bon? Si on n'est pas sélectionné pour participer au camp de la plage noire, ça ne sert à rien. Allez, Cléo, ce n'est pas fini, rien n'est encore joué. Arrête de t'inquiéter et amuse-toi un peu. Tu vois ce monstre? C'est une bonne cause. Il collecte de l'argent pour l'équipe de foot. Oui, c'est charmant. Salut, c'est Cléo. Est-ce que j'ai des messages, Goulia? Chers élèves du Monster High, votre attention s'il vous plaît. La fête de soutien à l'équipe va bientôt commencer. Oh, ça va être à nous. Où est Cléo? Elle va faire rater la chorégraphie. Je sais, elle est sûrement en train de nous tester. Plus qu'un effort et nous pourrons participer au camp de pom-pom monstres de la plage noire. Elle veut certainement s'assurer que nous pouvons nous débrouiller toutes seules. Allez les filles, on va lui montrer qu'on est à la hauteur. Et maintenant voici le capitaine de l'équipe de natation, Laguna. Et applaudissez le capitaine de l'équipe de Fatal Ball, Cloud Wolf. Cléo fait semblant de nous ignorer. C'est qu'elle nous trouve ennuyeuses. Passons à la vitesse supérieure.
Salut les filles, ne vous en faites pas pour ce petit raté. Vous vous améliorerez. Je suis sûre que vous allez faire un tabac à la plage noire. Merci Laguna. Tu ne vas pas danser avec Gilles? Il te sourit, t'as vu? Sérieux? Si seulement les choses étaient plus simples. Les amis peuvent très bien danser ensemble. Regarde Draculaura et Claude. C'est un peu bizarre. Tu sais, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est vrai, moi aussi. Commence. Voilà, tous les deux, on se connaît depuis très longtemps, pas vrai? Et en plus, tu es amie avec Claudine et je ne veux pas que ce soit bizarre. Mais depuis que tu as rejoint les pom-pom monstres... Oui, je crois savoir où tu veux en venir, Claude. Toi et moi... Oui. On devient de très bons amis. Oui, je veux bien être ta petite amie. Hein? Bons amis! Oui, de super amis! Oh, je dois y aller! Attends!